Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Guy Blum, auteur de la trilogie Obsession dangereuse, qui est publiée aux éditions Évidence. Donc elle va un peu nous parler de cette trilogie. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire ? C'est l'histoire d'une jeune avocate franco-américaine, Zoé, qui décide de repartir de Nice à New York, là où elle a fait ses études, mais dans un but de s'affranchir de son père, qui est manipulateur, trop possessif, et retrouver son premier amour. J'ai essayé dans ce livre de mêler l'imaginaire entre une série télé où les rapports sont poussés à l'extrême, mais de rester aussi le plus proche possible de la réalité. J'essaie de mêler les deux, si vous voulez. Et c'est difficile parce que si on fait trop proche de la réalité, le lecteur va s'ennuyer. Et si on fait trop surjouer, après le lecteur va se dire que c'est un peu surréaliste. Donc j'ai essayé de faire les deux. Et sur ça, il y aura 3 tomes. Quelle a été votre source d'inspiration pour l'intrigue du roman et de cette trilogie ? C'est un peu de tout, je suis une grosse fan de séries télé, donc ça part des séries télé, ça part d'une phrase dans un film, ça part de mon passé un peu, de ce que j'ai vécu, des gens qui m'entourent. En fait l'écriture, quand on est auteur, c'est un tout, on s'inspire de tout et n'importe quoi. D'une rue qu'on trouve jolie, qu'on va décrire, d'une personne qu'on rencontre dans la rue, qu'on trouve triste ou joyeuse. C'est un peu le tout, un peu tout ce qui nous englobe, tout ce qui fait partie de nous, tout ce qu'il y a autour de nous. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'écriture de romance ? Je pense que c'est faire rêver les gens un petit peu, parce que en tant qu'auteur de romance, on est là pour les faire rêver au niveau de tout ce qui entoure l'amour, de mettre pour certaines comme moi-même de mettre quelques points d'érotisme. Et aussi pouvoir les faire s'évader un moment des soucis que rencontrent les gens dans leur vie. Ils ont passé une dure journée au travail, traversent une dure période. Et le fait d'écrire de la romance, ça nous permet de les aider au fond un petit peu, en fait, de les faire s'évader. Après, il y en a pour tous les goûts. Mais je pense que la romance, beaucoup aiment ça. Même les hommes, hein, on ne va pas s'en cacher. Hein. J'ai des lecteurs hommes. Et ça nous permet de rêver au grand amour un peu, à ce qu'on rêverait nous, je pense, aussi. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en cours ? Du coup, j'imagine que vous êtes un peu sur la suite de la trilogie. Oui, je suis sur le 2, qui sort le 18 avril. Tout est déjà en cours, couverture, la correction est faite, tout est fait. Le tome 3 sortira en septembre. Après, j'ai d'autres projets. J'ai un projet d'écriture à plusieurs mains, un recueil de nouvelles érotiques, où ça sera plus censé, ça sera moins dramatique, ça sera plus des nouvelles légères, avec un peu d'érotisme parsemé, et ça c'est en stand-by pour l'instant. Je vais m'y mettre dès que j'aurai fini l'écriture du tome 3. Après j'ai un autre projet plutôt dans la collection enfants, voilà, pour les enfants, que je présenterai à ma maison d'édition, à Évidence Édition. En collaboration avec mon neveu et ma nièce. Donc voilà, vu qu'ils ont découvert ce monde-là à travers moi, en fait, et ils veulent à tout prix écrire, donc je vais écrire avec eux et déposer manuscrit dans ma maison d'édition, parce qu'ils font de tout. J'ai une maison d'édition qui est assez diversifiée. On a collection Vénus, collection Indécence, collection Imaginaire, collection Électron Libre, enfin plein de collections, et tout le monde peut déposer le manuscrit, il sera traité à la même enseigne, et c'est ça qui est bien. L'ambiance est bien, donc voilà, on est bien, on y reste. Donc, voilà. Et quels sont les livres, les auteurs qui t'inspirent dans ton écriture, qui t'influencent ? J'avoue que la première qui m'a influencée, c'est Colleen Hoover, parce qu'elle sait parsemer la romance avec quelques points d'érotisme, sans que ça soit jamais vulgaire, toujours bien écrit, faire mêler le dramatique aussi, des histoires assez dramatiques, mais sans que ça tombe non plus dans les clichés. Et ça, c'est elle qui m'a inspirée la première. Mais après, j'ai beaucoup de livres dans ma collection,
des auteurs de ma maison d'édition comme les TMT, Anastasia, les TMT qui est dans ma collection, Anastasia, Gabriel V qui est dans ma collection aussi, la collection Vénus, Anastasia qui est dans la collection Indécente, qui fait des poèmes et des nouvelles érotiques. Et niveau scènes érotiques, elles sont joliment décrites dans cette collection-là. Donc voilà, c'est vraiment des auteurs que j'aime lire, même au niveau poésie. Anna qui écrit de la poésie, je n'étais pas trop poésie, elle m'en a fait lire quelques extraits et c'est vraiment très joli, bien écrit. Quand la poésie est bien écrite, ça donne vraiment envie de lire. Donc voilà, ce sont des auteurs de ma maison d'édition qui m'inspirent, mais parce qu'elles ont un talent de fou en fait. Et donc je m'inspire au niveau sur plusieurs termes, etc., qui peuvent aider quand on est à court, parce qu'un auteur a toujours besoin de lire à part en fait, pour des termes qui lui manquent, pour noter de nouvelles expressions, etc. Et on a de super bonnes auteurs dans cette maison et on s'entraide toutes. Donc quand on a un souci, on est toujours là l'une pour l'autre. Je sais que cette question est un peu difficile, enfin c'est difficile d'en choisir qu'un. Quel est ton livre préféré et pourquoi c'est ton préféré? Mon livre préféré, on reste dans le Colleen Hoover parce que c'est elle. C'est vrai que j'ai commencé par, dans les livres érotiques, le tout premier livre que j'ai lu, c'était La bicyclette bleue. J'avoue, c'était en cours en BEP couture. Elle n'a plus jamais refait. Bon, on était que des filles. Et c'est vrai que c'était joliment décrit aussi. L'histoire d'amour était belle. Mais bon, j'écrivais déjà un peu à l'époque, mais pas dans l'érotique. Et après, je suis passée par Les 50 nuances. Tout le monde en parlait. Et puis, j'ai fini par... Les derniers livres que j'ai lus, qui m'ont vraiment inspirée et poussée à commencer ma passion, ça a été Colleen Hoover, ses livres. Et il n'y avait jamais plus, que j'ai beaucoup aimé. Et puis deux ou trois autres, dont je ne me souviens plus le nom, mais j'ai les histoires en tête, mais vraiment jamais plus, c'est elle qui m'a inspirée. Elle décrit tellement bien les émotions que voilà, je suis restée bête. Enfin, dans ces livres, j'ai pleuré, j'ai ri, comme dans certains autres livres que j'ai lus. Et puis ma prochaine lecture, je pense que je vais vachement aimer, c'est Les TMT, une auteure de ma collection. Donc Anastasia aussi de la collection Indécente que je vais lire bientôt, Luby. Et voilà. En ce moment, je jongle assez entre. J'ai une période où c'était plutôt Colleen Hoover mélodramatique, et là, je suis plutôt dans nouvelle érotique et tout. Donc je varie assez. Après, je prendrai assez aussi la collection Electron Libre chez Evidence Édition, où c'est plutôt culture générale, témoignage, histoire vraie. Et j'en ai déjà lu en comité et c'est vraiment très enrichissant. Enfin, je pense qu'il faut ne pas rester sur un type de livre. Je pense qu'aussi, il faut s'ouvrir à d'autres univers. Donc, je suis ouverte à tout univers. Hein. À ce moment, je lisais la science-fiction aussi. Donc voilà, je lis un peu de tout, j'ai pas de préféré, mais c'est vrai que celle qui m'a fait me lancer, c'est les livres de Colleen, tout simplement. Ben, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps et d'être passé à répondre à quelques-unes de nos questions. Ben, merci à vous. Merci. C'était sympa.